Coucou. Alors ça y est, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage au sort du concours des 2000 abonnés. Alors, je sais pas trop comment je vais organiser ça. J'espère que ça va aller. Je suis pas trop douée pour faire ce genre de choses. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais vous représenter les lots au fur et à mesure des tirages. C'est-à-dire que là, je vais commencer par le tirage du lot numéro 3. Ensuite le 2, ensuite le 1 et on finira par le lot du coup de cœur. Donc, on commence par le 3. Le 3, vous aviez vu, donc je vous offre ce tampon de chez Rayeur avec tout un tas de frises qui sont à l'intérieur. Ensuite, dedans, je vous ai mis des petits die cuts. Des lettres, des cartes Project Life, un petit tag que je vous ai réalisé. Je rajoute à ça, j'ai fait pour chacune des gagnantes un petit carnet. Dessus, vous avez un dessin que vous pouvez récupérer. Ce sont des dessins de mon mari. Et dedans, je vous en montre que la première page. Je vous ai mis des petits washi, des morceaux de washi que j'ai réalisé. Donc il y a plusieurs, voilà, il y en a plusieurs. Donc chacune va avoir en plus dans son lot ce petit carnet. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Et j'ai fait aussi une ATC, mais qui n'est pas terminée comme vous voyez, que je ne vous montre pas. Et bien sûr une petite carte d'accompagnement. Donc voilà, on va commencer donc par faire le lot numéro 3, qui a donc tout ceci. Et comment je vais me mettre? Je vais me mettre comme ça. Je vais prendre mon téléphone. On va faire ça avec random. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Non. Je vais m'approcher. Hop là. Donc, on a eu au total. Donc, je vais reprendre mes tags. On a eu au total 76 participations ici. C'est la dernière. Oups là, c'est là. La dernière participation, c'est le numéro 76. Donc, on va faire du minimum le 1. On n'a pas le 10. Non, non. Le 1 au maximum, le 76. Voilà, il me faut un seul numéro. J'exclus quoi? This number? Non, j'exclus rien du tout. Donc voilà. Alors, ici, vous avez dans ce petit panier tous les tags. Et sur le côté, ici, vous avez mes coups de cœur. Mes 15 coups de cœur. Donc, je les ai sortis pour que ce soit plus simple après. Mais bien sûr, ils font partie des premiers tirages. Donc, on y va. Je lance pour donc le lot numéro 3. C'est parti. Et c'est le numéro 43. Alors, le numéro 43, je vais retourner en marche arrière. On va aller le chercher. Je les ai classés dans l'ordre quand même pour que ce soit un peu plus simple. Le 43, il est là. Il s'agit de Nathalie M, qui n'a pas de pseudo et qui a fait ce très joli tag. Donc, le lot numéro 3, Nathalie, si tu viens par là, et j'espère, sera donc pour toi. Je le mets avec l'enveloppe du lot numéro 3. Ça, ça ne rentre pas comme d'habitude. Je vais juste mettre ça dedans. Voilà. Et ceci. Donc, voilà pour le lot numéro 3. Parfait. Donc, on va rester de 1 à 76. Et il suffira juste de relancer la machine une petite fois. Et ça sera bon. Le lot numéro 2. Donc, il s'agit de cette... je vais peut-être reculer un peu pour le moment. Jolie planche de tampon. Donc, avec un petit texte sur Noël ici, un petit lutin avec une pancarte, une lutine, un bébé avec un petit chapeau oreille de lapin, en direct du 25, enfin en direct du pôle Nord, 25 décembre à Carène, et une jolie étiquette. Donc, je vous les ai montées. Vous les avez donc ici sur un rhodoïde. Il n'y a plus qu'à les utiliser. Et on dit merci à la Compagnie des Elfes qui, en fait, vous offre ce très beau lot pour les fêtes de fin d'année. Donc merci beaucoup à Brigitte et j'espère que vous ferez de jolies choses avec ça. Donc voilà, il y aura aussi bien sûr un petit carnet avec, avec des washi que j'ai fait maison, une ATC
et une carte, et puis voilà, peut-être d'autres petites bricoles. Voilà, en fait, le lot numéro 2. Donc, je vais me rapprocher. On va le tirer au sort tout de suite, toujours de 1 à 76 participants. On génère, et c'est le numéro 59. Alors, le numéro 59. Suspense. Il est là. Donc, il s'agit... Est-ce que tu as un pseudo? Ah, ben oui, c'est Créalo. Créalo, donc Créalo 72, qui a une chaîne YouTube que vous devez connaître. Je vais reculer que vous voyez bien son tag, qui était superbe aussi, avec cette belle girafe. Donc, c'était bien le numéro 59. J'espère que vous voyez. Voilà. Et donc, Laurence, c'est toi qui as gagné ce lot numéro 2. Très contente pour toi aussi. Alors, on va passer maintenant au lot numéro 1, qui lui aussi est un lot offert par la Compagnie des Elfes. Brigitte, toujours, Brie, qui participe donc beaucoup dans ce concours, comme vous pouvez voir, avec cette très belle planche de tampon avec un sapin de Noël, une étoile, un nœud, des textes sur Noël, bonne année, les 10 nœuds ici, une petite lutine, un petit cerf avec une couronne et une pince. Donc, je vous la ressors. Voilà, c'est donc cette planche-ci qui est montée aussi, bien sûr. Hein, il n'y a plus qu'à les utiliser. Et voilà. Donc, ça, c'est pour la gagnante du lot numéro 1. Avec également des petits washi maison, une petite ATC, la carte mais que je ne vous montre pas bien sûr, voilà, toc. Et pour ce lot numéro 1, on va relancer la machine, je vais à nouveau me rapprocher, voilà, on y va. Ah bah non, c'est encore Laurence, alors là non, on n'est pas d'accord, on recommence. Le numéro 61. Le numéro 61. Il est où? 65. 62. On n'est pas loin. Le 61. Il s'agit de Georgette. Georgette n'a pas de pseudo. Non, c'est Georgette Cuisson. Pour celles qui ont une chaîne, vous devez la connaître parce qu'elle nous laisse des petits messages. C'était son très joli tag. Regardez ça. Donc, la grande gagnante de ce concours, c'est Georgette. Je suis super contente pour toi. Vraiment. Tu m'avais fait un tag très joli. Donc, et ben, félicitations à toi aussi. Voilà. Et le lot numéro 1, c'est parti. Donc, maintenant, nous allons passer à mes coups de cœur. Donc, ça, comme vous le savez, comme vous vous en doutiez toutes, parce que vous aviez effectivement... remarquez qu'il y avait des magnifiques créations. J'ai pas pu prendre tous les coups de cœur que j'avais parce que je les aimais toutes en fait. J'aimais tous les tags et chacune avait son chacun avait son style. C'était vraiment impossible à. Enfin bon, ce que j'ai décidé de faire, c'est de choisir dans ce que j'aime le plus en scrap. Donc vous allez voir un peu dans ce qui représente plus ce que j'aime. J'ai choisi en fonction de mes goûts. En fonction aussi de la finition, de la qualité du travail, parce que je trouve que c'est hyper important. Enfin, moi, j'aime beaucoup un travail bien fini. Donc, j'ai essayé aussi de mettre ça comme argument. Et puis, voilà, quoi. Donc, j'ai choisi des choses qui, par contre, effectivement, sont pas forcément ma façon de scraper, mais où j'ai trouvé qu'il y avait eu de la recherche et du travail dedans. Donc voilà, vous allez voir ça, on va mettre ça de côté pour le moment. Et je vais les sortir et les mettre à l'envers par ordre de numéro. Voilà. Et on va redonner un numéro. Alors comme vous avez vu sur la dernière vidéo, j'ai rajouté 5 tags, j'avais dit 10 et puis en fait ça suffisait pas. Donc, j'en ai mis 5 de plus. On en est à 15. J'espère que là, oui, vous voyez. Hop. J'ai essayé de cacher un maximum le 40. Tout le monde ne va pas rentrer là. Hein. Le 35.
le 34. Je vais tous vous les montrer après. Et vous comprendrez mon choix, je pense. Voilà. J'ai pas assez de place sur mon bureau. J'essaie d'en faire un petit peu. Voilà. Vous voyez tout là? Non, vous voyez pas le bout. Alors, on va aller avancer un petit peu comme ça. Voilà. Et il m'en reste un petit que je vais mettre sur le côté ici. Et normalement, on en a 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 et 7, 14. Et 1, 15. Donc voici les 15. Maintenant, je vais montrer le lot numéro 4. Donc, qui se compose de ce tampon qui est magnifique, des die cuts, des cartes Project Life également, et un petit tag que j'avais préparé donc pour l'occasion. Voilà, bien sûr, j'y rajoute un petit carnet avec les washi maison et l'ATC. Voilà, donc pour le lot numéro 4, le dernier lot, on va faire un tirage au sort dans l'ordre, si vous voulez. Alors, ce qu'il faudrait que je fasse, parce que sinon, je ne peux pas rentrer les numéros comme ça. C'est trop compliqué. Donc, je vais mettre un numéro par tag. Et on va faire le tirage au sort sur les 15 tags. Donc, voilà. Hors caméra, j'ai remis le numéro 4 qui était là, ici. Puisque c'est le premier dans la liste de mes préférés qui est arrivé. Ensuite, le 7, le 8, le 11, le 15, 17, 23, etc. Je les ai donc renommés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, on a bien nos 15. Alors, on va faire le tirage au sort. On va mettre cette fois, je vais me rapprocher à nouveau, hop là, de 1 à, on va effacer le 76. Oui, on va mettre 15. Voilà. Donc, de 1 à 15. Et maintenant, toujours un seul numéro. On y va. Et c'est le numéro 3 qui gagne donc le quatrième lot. Le numéro 3, c'est celui-ci. Je vais vous dire de qui il s'agit. Il s'agit de Patricia Mercier. Alors, pour celles qui sont sur Facebook, vous devez la connaître. Elle fait des choses absolument magnifiques. Donc voilà, je vais reculer maintenant. Voilà son tag. Donc c'est toi Patricia qui a gagné le lot numéro 4 pour mes coups de cœur. Voilà, ce tag est magnifique. Il y a du tissu, il y a un fond. Enfin, c'est très très joli. Tout est superbe, bien fini, très très beau. Donc voilà la gagnante du lot numéro 4. Patricia, je te félicite. Je suis contente aussi pour toi. Voilà, je mets ton tag dedans. Alors maintenant, je vais vous montrer tous ceux que j'avais choisis, bien sûr. Alors, le numéro 4, il s'agissait de Chantal Drou. Chantal Drou m'a fait ce tag. Et vous en conviendrez, il est absolument magnifique. Un très très joli fond tout en douceur avec un tamponnage. Tout est recolorisé, un très très joli. Je ne vais pas tout vous redétailler puisque vous les aviez déjà vus sur toutes les vidéos. Je vais juste vous montrer en fait celle que j'ai choisie pour mes coups de cœur. Donc ensuite, celui-ci, le numéro 7, c'était donc Mimi Scrap qui a fait ce très beau tag. Voilà. Le numéro 11... Il s'agit, je vais l'enlever quand même, de Marie-Christine. Tu n'as pas de pseudo, je crois. Non, Marie-Christine G, qui a fait aussi quelque chose de très, très beau. Alors, comme vous voyez, on retrouve beaucoup de patouilles, hein, bien évidemment, dans mes coups de cœur. Voilà. Ensuite, le numéro 15, il s'agit de Jean-Pierre, notre seul participant, parce que vraiment, il m'a fait un truc de toute beauté. C'est très, très joli. Ensuite, le 17, il se cachait derrière Lisette. Lisette R, qui a une chaîne YouTube. Voilà. Très belle aussi. Un très beau travail de fond. Belle colorisation. Enfin, très, très jolie. Ensuite, le numéro 23 était Anne-Marie. C'est Marie Calac sur YouTube qui ne fait pas du tout ce style.
et que j'ai voulu mettre dans mes coups de cœur parce que vraiment, c'était superbement bien fait. Un très très joli travail. J'ai adoré. Donc voilà pour Anne-Marie. Ensuite, le 26, il s'agissait de Mimi, que vous devez connaître sur Facebook, qui fait des merveilles. Là, il y a une superposition de différents tissus, des textes qui ont été travaillés les uns après les autres. Enfin, c'est de toute beauté. Voilà. Le numéro 9, qui lui n'est pas un fond patouille, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'originalité, beaucoup de travail dans ces feuilles de bananier et ces petites fleurs naturelles. Vraiment quelque chose de plus, ce petit tag accroché ici. Très, très original. Et là, il s'agissait de Patricia H. Et Patricia n'a pas de pseudo, non. Donc, voilà. Très joli tag aussi. Un beau travail. Le numéro 35 dans mes coups de cœur, c'était Véro Rougny, qui m'a fait aussi un tag absolument magnifique. Véro qui est avec nous sur le groupe ATG 3 lettres 3 girls. Voilà, c'est, ça scintille de partout. Il y a beaucoup de boulot, c'est très très beau. Voilà, le numéro 40, donc le numéro 11 dans la suite, il s'agissait de Nat NC sur Facebook. Conviendrait avec moi que c'est magnifique, absolument magnifique. Un très très beau travail de fond, de colorisation, enfin tout est superbe comme toujours. Donc je ne pouvais pas l'éviter dans mes coups de cœur, pas possible. Ensuite le numéro 46 qui était le, donc il s'agit de Gise. Gise m'a fait ce très très beau tag automne. Et elle m'avait fait, si vous vous souvenez, une carte qui allait avec un fond identique, de toute beauté. Donc, voilà. J'ai vraiment aimé ce tag, je le trouve hyper beau. Voilà, et c'est super bien fini, c'est très très joli. La colorisation est magnifique, tout est très beau. Ensuite, donc, le numéro 49, il s'agissait de Nadia, qui a un blog avec du papier, ça s'appelle... Voilà, j'ai adoré. Ça pète de couleurs de partout. J'ai trouvé ça super chouette. Donc, aussi dans mes coups de cœur, le 56, il s'agit de Mamido. Mamido qui m'a fait aussi quelque chose de super joli. Avec un très beau fond sur papier photo. Magnifique. Et qui en plus sent hyper bon. Il est parfumé et il sent super super bon. Et c'est le seul comme ça. Donc, Mamido, tu es aussi dans mes préférés, dans mes coups de cœur. Et le dernier, il s'agit de Samantha. Samantha, c'est Découverte et Imagination, sa chaîne YouTube. Et voilà son tag qui est aussi de toute beauté avec beaucoup de travail dessus. Voilà. Alors, tous ces coups de cœur ne veulent pas dire, bien sûr, que je n'ai pas aimé les autres tags. Hein. Très honnêtement, j'étais... super heureuse de recevoir tout ça. C'était de toute beauté, vraiment. Et il fallait bien en choisir. Donc, les voilà. Voilà donc tous mes coups de cœur. Et voilà donc notre gagnante qui est ici. Donc, Patricia Mercier. Voilà. Qui adore le mix média et l'art journal. Voilà. Eh bien, vous avez, je crois, vu tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que je n'ai rien oublié, ni personne. N'hésitez pas surtout à me le dire dans les commentaires s'il y avait un souci. Maintenant, il me reste à faire, à relier toutes ces beautés. Je vais les relier, comme je vous l'ai dit l'autre fois, par mois de naissance, avec des intercalaires mensuels. Par contre, j'ai certaines personnes qui, effectivement, m'ont renvoyé leur date de naissance par mail. Si j'en ai d'autres qui ne me l'ont pas mis et que vous en rappelez, surtout envoyez-moi un petit mail que je puisse les mettre au dos de vos tags. Voilà, dans mon petit classement. Alors, pour le classement, je commence à un petit peu avoir des idées. J'ai même commandé, quand est-ce que c'était samedi dernier. J'ai commandé quelques petites choses pour pouvoir le faire parce qu'il y en a tellement
comme je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas faire ce que je voulais. Donc, on va partir sur une autre idée qui, j'espère, vous plaira. Quand ce sera enfin terminé, et ça, je ne peux pas vous dire quand, bien sûr, je vous ferai une vidéo pour vous montrer tout ça et vous montrer comment ça va être joli, tout ça ensemble, j'espère. Donc, voilà, je vous fais des gros, gros bisous. Je vous remercie énormément pour toutes vos participations. Vous avez été 76 et vraiment, c'est super génial. Je ne pensais pas en avoir autant. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup de tout mon cœur. Alors, je vous fais des gros, gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine, puisqu'on est lundi aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Bye!